Alors déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous à cette journée départementale qui vous est dédiée à la fois aux familles d'accueil et aussi aux professionnels. Yves Cormier, mon collègue, et moi-même, on est chargé d'animer cette journée, hein, cette journée départementale, qu'on a voulu réserver une grande part à l'échange. Et que ce métier ne se fait pas tout seul, même si de temps en temps vous vous trouvez un petit peu dans des éléments de solitude, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des références, que vous appelez les référents, il y a des services, il y a des tuteurs, il y a un tas de monde, il y a des fois des médecins. Quand on s'occupe de personnes qui ont des problèmes médicaux, il faut que le médecin, les infirmières, les services travaillent avec vous et que vous travaillez avec eux. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait de la relation, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la reconnaissance. Alors qu'est-ce que c'est le réseau, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Le réseau, c'est quand il y a une personne, parce que nous, dans notre secteur, on dit qu'il faut que la personne elle soit au cœur du dispositif. Effectivement, quand on va travailler ensemble, c'est d'elle qu'on parle. Être au cœur du dispositif, c'est ça que ça veut dire. Et c'est la personne accueillie qui va être au cœur de ce dispositif. Alors, de l'accueil familial, bien évidemment avec une temporalité, un temps chez vous très important. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres intervenants. Et pour autant, il faut essayer que ce réseau-là, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il communique, il faut que ça brasse, il faut qu'il y ait des échanges. C'est le monsieur et madame Darnay, ça fait 21 ans qu'on garde des personnes handicapées. Aujourd'hui, le travail en réseau me paraît vachement important, parce que déjà, l'accueil familial évolue. On a des gens maintenant qui sont ont plus de problèmes thérapeutiques. Donc on est plus vers un accueil thérapeutique que l'accueil familial. C'est déjà beaucoup plus difficile. Il faut s'investir un peu plus. Le statut, à mon avis, ne correspond pas par rapport au métier, si on veut bien. Et donc il est intéressant quand même d'avoir tous les interlocuteurs. Aujourd'hui, il y a un suivi qui s'est fait, mais c'est avec des relations qui sont vraiment ouvertes. On est aidé. Il y a une époque, on a eu une personne qui était malade, et pour pouvoir avoir un week-end, il a fallu que je téléphone à la charité, au CHS. Je suis tombé sur une infirmière, madame Patrick, je crois, je me rappelle plus bien, et qui m'a donné comment faire quoi, pour pouvoir. Alors la seule solution, c'était d'aller voir le médecin pour qu'il puisse la faire hospitaliser pendant un week-end. Le tuteur était incapable de nous le dire à l'époque, et le suivi de l'époque, rien du tout. Donc, ça crée quand même des sacrés soucis. Aujourd'hui, je dis que si la mise en place du réseau se fait comme il doit se faire, parce que comme on écoute ce qu'on a écouté, moi je trouve que c'est vraiment bien. Il faut que ce soit mis en place le plus vite possible. Le seul problème qui peut nous aider dans ce genre de choses, c'est d'avoir des liens avec les CMP, les gens qui s'occupent de ces malades. Et le problème, c'est que là, on se heurte devant un mur, quoi. Parce que sous le couvert du, je dirais, comment on appelle ça, le secret médical, eh bien, on ne vous dit rien du tout. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est une erreur, parce que ça n'aide pas la famille d'accueil, mais ça n'aide pas non plus le malade à évoluer, puisqu'on ne sait pas. Alors là, on a eu encore le dernier coup, là, on a réussi à avoir une réunion avec les infirmiers, qui a été acceptée par le psy, mais bon... Il y a eu cette réunion, il y a quand même eu ça a quand même débouché sur quelque chose. Parce que maintenant, on a un petit peu plus de communication avec eux. Mais c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir une formation de médecin. On a besoin d'être aidé par les partenaires. Donc, madame de la Pierre, j'ai 3 personnes accueillies. Donc, une personne psychotique, voire une schizophrénique, si on peut dire comme ça. Donc, moi, je suis très contente d'avoir déjà suivi des formations avec deux messieurs. Parce que ça apporte beaucoup au niveau témoignage, confiance. En plus, je suis très satisfaite du changement du SAF, les représentants de la FOD, qui ont su aider à certains moments. Et je pense que pour ce qui est maladie, etc., quand on reçoit les personnes chez soi, je pense que c'est du cas par cas. Et que ce n'est pas dans des livres qu'on apprend les méthodes. Enfin, quand on est psychiatre, c'est sûr qu'on apprend dans des livres. Mais je pense qu'en lisant quelques articles, en s'aidant aussi de personnes qui connaissent, et surtout quand on va chez médecin psychiatre, quand il y a un rendez-vous pris, moi je suggère c'est que la personne n'y aille jamais seule. C'est-à-dire que vous êtes en droit, parce que moi c'est le cas pour moi, vous êtes en droit d'aller voir le psychiatre et de lui dire je veux vous parler,
de tête à tête ou avec la personne, suivant du cas de la personne. Et généralement, le psychiatre écoute et vous écoute et accepte, c'est comme chez le médecin. Et là, il n'y a pas de secret professionnel, je veux dire. Il n'y a pas de, bon, sauf les médicaments, hein. On vous donne des médicaments, on ne vous dit pas forcément à quoi ça sert, mais vous avez quand même le contact avec les personnes. Et ça, c'est important de le savoir, et chacun est en mesure de le demander. Je suis Pascale Berry, je suis éducatrice au service d'accompagnement social de Corbigny, donc au suivi accueil familial de la PIAS. Et donc, tout ce que j'ai entendu là, c'est vrai que nous, on vous considère comme des professionnels, tous, et je crois qu'on est là aussi pour se battre à vos côtés quotidiennement. Et il n'y a que comme ça, ensemble, donc en partenariat, qu'on arrivera effectivement à faire évoluer les choses, que ça soit avec le milieu psy, que ça soit avec, j'ai envie de dire, tout ce qui est vie sociale extérieure, tout ce qui est, enfin, tout ce qui nous entoure et tout ce qui entoure la personne. Et je crois qu'à ce titre-là, bon, au niveau de notre secteur, on a réussi certaines choses, on a mis du temps, hein, mais Madame de Morival, là, qui est là à côté de moi, peut en témoigner. Hein, au niveau du secteur psy, on est arrivé quand même à avoir des contacts réguliers avec les infirmières. Et on arrive par des moyens détournés à faire passer des choses aux médecins qui rencontrent très ponctuellement les personnes, 5 minutes, hein, et puis qui posent un diagnostic, qui donnent un traitement, etc. Donc je vous donne une petite solution, hein. Ça peut être d'écrire par exemple toutes les manifestations de la personne au quotidien et de faire passer cet écrit au médecin ou à l'infirmière qui fait aussi l'intermédiaire. Voilà. Oui, ben, moi c'est M. Pierre, on a 3 personnes chez nous. Et je voulais parler de la personne précédente qui a fini sa vie chez nous avec, avec Émeraude. C'est un partenariat qui s'est bien passé, ils ont tout pris en charge, ils ont tout géré. C'est vrai que ça nous a bien soutenus. C'est des médecins, des infirmiers qui font partie de ça. Et quand on fait appel à eux, ben, ils viennent s'occuper. Alors ils mettent tout un système en place, de perfusion s'il y a besoin. Donc on avait un peu de difficulté à avoir des aides soignantes, ils ont appelé le centre social à Pouilly, tout ça. Donc, une fois qu'ils ont pris le téléphone, ça bouge. Émeraude, eh bien, c'est un service, c'est un secours, c'est une équipe, hein, et puis avec vraiment cette envie, cette ambition d'accompagner la fin de vie d'une personne en toute dignité. C'est vraiment ce qu'on peut demander pour tout le monde. Donc c'est quelque chose, hein, qui est vraiment de ce rapport-là. Hein, cette notion du réseau qui fonctionne, eh bien oui, il y a des choses qui fonctionnent bien, hein, des réseaux qu'on peut solliciter, qu'on peut, hein, travailler. Bon, dans mon réseau, moi, j'ai 2 personnes qui sont prises à charge par différents organismes. J'en ai une qui est très bien suivie, parce qu'elle est l'UDAF. Et puis c'est madame... non, c'est pas l'UDAF, c'est la DSEAN. Et puis madame Vaillant, qui est comme psychiatre. Donc elle est à l'écoute de tout, madame Vaillant. On peut aller la voir, on peut... Et puis il y a une infirmière qui vient. Bon, elle m'a beaucoup aidée, parce que cette personne que j'ai, quand elle est arrivée, elle bavait, elle mangeait pas, fallait la faire manger et tout. Elle a évolué au bout d'un an, c'était une personne qui a beaucoup évolué. Et maintenant, elle régresse. Donc j'ai eu une période, moi, de doute, de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai eu l'infirmière qui vient de la voir, psychiatrique. Donc elle m'a beaucoup expliqué, il a fallu un moment que je comprenne quand même, que c'était pas de ma faute, quoi. C'était l'évolution de la maladie, parce que ce sont des personnes qui ont, on a toutes les 3 le même âge. Mais elles m'ont dit qu'elles vieillissaient beaucoup plus vite que nous, avec les médicaments et tout, avec leur pathologie. Donc, elles m'ont appris à gérer ça, quoi. Bon, maintenant, ça va, c'est passé, mais c'est vrai que c'est très dur à supporter de voir la personne qui avait vraiment fait des progrès, et puis qu'après, là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Ça n'intéresse à rien. Depuis 3 ans, j'ai un soutien. Voilà, on peut dire les noms, hein, j'ai Madame Thierry, j'ai Madame Trella, puisque maintenant, j'ai la chance d'avoir la tutrice, la même tutrice pour les 2. Voilà, j'ai trouvé qu'on peut parler de réseau, on peut parler de partenariat maintenant, parce qu'il faut le souffle, parce que pour, on n'a fait que des critiques. Hein. Mais moi, je vois qu'en 3 ans, il y a un vrai... Enfin, je pense que les gens veulent changer les choses. On voit par Madame Sanchez et tout. Et dès l'instant qu'on est écouté, qu'on est payé, parce que ça aussi, c'est important, qu'on est reconnu et qu'on est entendu, je pense qu'il y a une possibilité de faire vraiment des progrès pour tout. Quoi. Le travail de réseau là-dedans. Ça commence à se mettre en place, j'en ai parlé autour de moi, Mme Sanchez, les curatelles,
le CMP de Nevers, donc elles sont suivies avec les psychiatres. Et tout ça, évidemment, ça fait se faire lentement pour ne pas, justement, cette troisième personne qui est arrivée chez moi, elle est arrivée en catastrophe et il ne faut pas qu'elle reparte en catastrophe. Donc, il faut lui donner le temps de trouver la famille d'accueil qui peut la recevoir. Et donc, pour rassurer les deux autres personnes, je leur ai dit que moi-même, je n'avais pas l'intention de la garder, cette troisième personne, mais il faut lui laisser le temps, voilà, de trouver quelqu'un qui puisse l'accepter. Je suis M. Laurent Doul, responsable du service d'accompagnement social et professionnel de l'association APIAS. Des difficultés avec les services de tutelle, des difficultés avec des associations, des difficultés avec d'autres professionnels, des difficultés avec le secteur du soin, que ce soit Châtillon, on ne va pas nommer des gens comme ça, mais on en rencontre tous les jours. Alors, ça n'excuse rien, hein. Mais je veux le dire parce que je ne voudrais pas que vous vous sentiez victimisé quelque part. C'est peut-être un gros mot, mais c'est important. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes des professionnels. Mais quand on est reconnu comme tel. Non, mais si vous êtes reconnu comme des professionnels, ce que je veux dire par là, c'est que même nous, dans notre service, avec des gens qui ont un diplôme, qui sont patentés à être des vrais professionnels, on a les mêmes difficultés. D'accord ? Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés dans le réseau. Comment on travaille ça, effectivement, là, il faut d'autres personnes qui interviennent. C'est, à mon avis, peut-être le rôle des prestataires de services, notre rôle à nous. Peut-être de venir là faire de la médiation. Peut-être l'avenir, parce que vous êtes au quotidien, dire bah, peut-être que nous, on peut faire du tiers. On va peut-être solliciter la tutelle. Peut-être qu'effectivement, s'il y a un courrier qui émane d'un directeur d'une association, ça aura peut-être plus de poids que vous. Mais que vous, comme d'un éducateur de mon service, c'est exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, en tout cas, on vous considère comme des professionnels à part entière. Et puis la journée l'a bien montré encore. Il y a eu des questionnements, il y a eu des revendications aussi, quelles qu'elles soient. Mais tout s'est fait en bonne intelligence. Et on sent à travers tous vos témoignages que les personnes accueillies le sont de manière très individuelle et très... comment? Elles ne sont pas chouchoutées, mais pas loin, quoi. On ne fait pas un réseau, on ne fait pas vivre un réseau si ceux qui le composent ne sont pas volontaires. Donc ça doit nous interroger, vous interroger. Dans un réseau, s'il n'y a pas la reconnaissance mutuelle, ça ne fonctionne pas.